dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 janvier, il est 16h42 et je suis en train de filmer des vidéos. Mais pour tout vous dire, j'ai fini, j'ai essayé de modifier le make-up pour pas que vous le voyez, parce qu'il y aura une vidéo très fun, très drôle dimanche en fait. Et du coup voilà, je vous garde la surprise, je vous ai montré un petit peu quelques trucs sur Snap, parce que voilà, pour mes bonbons je leur montre un petit peu tout en avant-première on va dire. Mais voilà, sinon aujourd'hui il faut que je vous raconte un truc en fait, c'est un vlog blabla hein. Je suis... voilà, faut que je vous raconte ça, ce qui m'est arrivé hier. Donc j'étais en train de conduire, il était environ 11h, 11h30, un truc comme ça. Je conduisais, tout allait bien, je prenais une route que j'ai l'habitude de prendre à chaque fois. Donc il y avait vraiment vraiment pas de soucis pour qu'il se passe un imprévu etc. C'était vraiment, c'était impossible. Sauf que là je me mets à conduire et tout, je passe le rond-point et là ma voiture, donc il y a un stop qui commence à clignoter une fois et là ma voiture s'arrête en pleine route, je vous assure, dès le matin comme ça, quand on s'y attend pas c'est un petit peu chaud. Donc heureusement que ce jour là j'avais pas prévu de filmer ou quoi que ce soit, j'avais prévu de publier deux vidéos et oh my god j'ai réussi, je sais pas comment j'ai fait. Et donc je suis restée plantée là, j'ai essayé quand même, j'ai eu un réflexe et que je me suis mis dans une voie de stockage pour pas déranger tout le monde quand même hein. Et voilà, donc honnêtement c'est la première fois que ça m'est arrivé, je pensais vraiment que ça allait jamais m'arriver un truc comme ça, mais en fait moi aussi je dois y passer. Je crois qu'on doit tous y passer. Et voilà, j'ai eu une grosse panne comme ça en pleine route. Le mec de la dépanneuse est venu. Franchement il était super super gentil etc. Dès qu'il est venu je lui ai dit merci d'être venu et tout, parce qu'il m'a sauvé de là. En plus il est venu super super vite. Moi je pensais que j'allais galérer. J'ai essayé d'allumer mon ordinateur pour faire quelques montages, mais malheureusement ma batterie était à plat. Heureusement que j'avais encore 50% dans mon téléphone. Mais bref, donc après il regarde et il me dit j'ai vraiment pas une bonne nouvelle à vous annoncer. Et là je me dis mais what, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va m'annoncer. Et en fait il me dit que j'ai un problème de courroie de distribution ou je sais pas quoi. Et moi il y a un gros problème, c'est que le seul truc que je sais faire c'est conduire, tout le reste, réparation etc, je connais rien du tout. Courroie de distribution, j'avais jamais entendu ça de ma vie, donc c'est pour vous dire voilà. Donc voilà, et il me dit que c'est une grosse panne immense etc, qui coûte hyper hyper cher, qu'on va garder la voiture pendant 107 ans etc, enfin pendant plusieurs jours et tout, j'ai été dégoûtée. Donc voilà, en plus je voulais faire des vidéos avec ma soeur Marion et elle habite pas à côté, sa maison elle est vraiment super super loin de la mienne. Du coup bah je pourrais pas la voir. Du coup je pourrais pas la voir, sauf si bien sûr ouais, je sais pas avec qui elle va venir, enfin je sais pas. Mais je voulais filmer chez elle, on avait prévu de faire des vidéos trop cool et trop fun. Ouais je vais devoir filmer une partie toute seule. Marion tu me manques. Et non mais en tout cas on fera plein d'autres vidéos, ça arrive très très bientôt. Mais bref, c'était pour vous dire qu'en fait que là je n'ai plus de voiture et je suis un petit peu dégoûtée. Du coup je reste à la maison et c'est cool parce que du coup je peux vous faire des make-up etc, des vidéos, parce que voilà. Et je peux pas aller faire les courses, je peux pas aller au resto, je peux rien faire. Mais bon c'est pas grave hein, c'est pas la fin du monde franchement. Bon il y a des choses bien plus graves, ça c'est clair et net. Mais j'avoue que quand on s'y attend pas ça fait un petit choc quand même. C'est un petit peu quand on se fait voler son portable. Et voilà, bah voilà. Sinon là c'est pour dire qu'en fait j'ai plus de voiture. Mais bref, à part ça tout va bien, tout est positif, puisque je vous ai filmé un tuto make-up. C'est pas un tuto make-up en fait, c'est une vidéo très très fun, très drôle. Voilà les vidéos que vous aimez voir sur ma chaîne en fait, et je vous la réserve pour dimanche. Demain je dois filmer d'autres vidéos et c'est cool puisque comme j'ai pas de voiture, franchement j'ai pas autre chose à faire. Donc c'est cool, je vais vous filmer pas mal de vidéos, 3 ou 4 ou 5 je sais pas, on verra. Et puis voilà, en tout cas j'espère que vous allez super bien, que l'année 2017 commence très très bien de votre côté, que tout se passe bien. Je voulais vous remercier parce que hier j'ai posté deux vidéos. Ah oui, parce qu'attendez, avant les vlogs j'ai publié je l'ai publié le lendemain. Là je le publie le même jour hein. Je vais faire le montage hyper hyper vite. Donc je voulais vous remercier parce que vous avez adoré mes deux vidéos. Donc je vous ai posté attendez je regarde sur mon ordi, parce qu'à force de faire des vidéos j'oublie ce que je poste. Ouais je vous ai posté un haul vraiment trop cool, un haul là, my god. Donc je vous ai posté un haul vraiment trop cool sur les produits que j'ai reçus du site Beauté Drugstore. Et franchement vous avez adoré ce haul là. Et surtout donc genre à 22h30, parce que je suis endormie franchement. Voilà, à 22h30 je me réveille. J'étais trop fatiguée hier, c'est un truc de fou, parce que j'avais fait trop de montage en fait. Et vous savez les montages c'est très fatigant, très fatigant. On dirait pas comme ça, mais quand on fait des nuits de montage c'est super fatigant. Et du coup je vous ai posté, je teste le lisseur magique, et vous avez adoré. Ce qui m'a choqué c'est que je me suis dit ouais je vais poster à 22h30, il y aura pas grand monde. Je vais l'annoncer sur Snapchat pour que ma team Snapchat puisse voir hein, ceux qui sont réveillés. Bon je pense que tout le monde était réveillé, mais ça m'a fait super plaisir parce que vous avez été très nombreux à commenter, à liker, à partager ma vidéo. Donc merci beaucoup à tous. Il y a eu plein de vues d'un coup comme ça, et j'étais très contente de voir que cette vidéo vous ait plu. C'est une vidéo que j'ai beaucoup beaucoup aimé tourner. J'ai adoré la montée etc, donc c'était pour ça que je voulais vous la poster dans la foulée immédiatement. Et voilà, donc voilà voilà. Bref je vous raconte un petit peu les news de mon côté. Bah tout va bien à part que j'ai plus de voiture.
Et ça fait trop bizarre en fait quand on est habitué à sa voiture de plus la voir, on a l'impression que qu'on peut plus sortir. Voilà. Donc maintenant je sors plus de chez moi, je peux même pas aller faire les courses. Non, je rigole, heureusement que j'avais fait les courses il y a pas très longtemps. Mais bref, en tout cas, si vous connaissez niveau courroie de distribution, etc., si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si ça vous est déjà arrivé, si ça est arrivé à votre père, à votre copain, je sais pas, peu importe, dites-moi tout ça dans les commentaires. Sinon, voilà, je vous publie des autres vidéos. Enfin, je vais tourner une autre vidéo, comme ça, je vous la publierai demain vendredi, certainement. Parce que là, j'ai pas prévu de vidéo. Enfin, si j'en ai prévu plein, j'en ai au moins. J'en ai au moins 30. Franchement, j'ai trop d'idées, c'est un truc de fou. Mais faut les filmer, en fait. Donc voilà. C'est pour ça que là je vais vous laisser, je vais aller tourner une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous, en tout cas je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. C'est juste un truc de dingue, franchement merci beaucoup. Ça me touche énormément, je vous aime du fond du cœur mes bonbons. N'oubliez pas de me rejoindre, la team Snapchic, c'est MakeupChic119 sur Snapchat. Et sur Instagram aussi, n'oubliez pas de mettre un gros pouce vers le haut si vous avez aimé ce vlog blabla pour en savoir un petit peu plus sur moi. Voilà, je trouve ça cool de vous donner des news comme ça plutôt que sur Snapchat ou... Ouais, sur Snapchat, je vous avais parlé un petit peu d'ailleurs tout à l'heure. Bref, en tout cas, je vous fais des millions de bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain vlog et aussi un make-up challenge. Bisous. Oh my god, c'est quoi que je fais encore? Et voilà, on en met bien comme ceci. Ah, ça pique. Ah, ça pique trop. Light is gonna come.